Eh bien, salut à tous, c'est Kairos87, on se retrouve sur Feed the Family. Je fais cette petite vidéo. Non, c'est que je viens de me réveiller, c'est pour ça que j'ai une voix un peu défoncée. Surtout que j'ai streamé jusqu'à 6h, ça fait 6h du matin, ça fait un peu mal. Alors, on va juste enlever le F5. Voilà. Alors, déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Déjà, pour montrer comme quoi la guerre des pranks commence sur le serveur. Parce qu'hier en plein live, on a aidé un peu Elvie à prank en titane qui est là. Et puis il s'est vengé. Enfin, j'ai retiré tout ce qu'il y avait en haut. Mais je pense qu'on va encore se venger. Ça va être encore la guerre. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je reste ici, parce que en haut il y a des tourelles d'autodéfense. C'est le bordel, hein. J'en ai mis au moins une vingtaine. C'est surtout parce qu'on pose plein de questions. Bah, durant mes lives, on pose des questions. Ou sinon, est-ce qu'on peut rejoindre le serveur, etc. J'ai juste désactivé le son, c'est presque saoulant, surtout pour la vidéo. Alors, pour rejoindre le serveur, c'est non, on peut plus y priver maintenant. Un peu parce que Elvie est là, mais disons que on est full, hein. C'est pas, on va dire que c'est pas parce que Elvie est là que je n'ajoute plus personne. J'ai ajouté 10 personnes au moins après Elvie. C'est juste que en fait, il cherche encore de la tranquillité, Elvie, et pour éviter ça, je sais que beaucoup demandent un serveur FTB, petit serveur, sauf que je ne peux pas malheureusement, enfin ça coûte cher déjà le serveur, et comme il lui demande de la tranquillité, il est venu ici pour avoir de la tranquillité. C'est pas pour qu'il y a 100 personnes sur le serveur, etc. Donc c'est pour ça, c'est pour éviter, déjà je le dis parce que je me fais spammer un peu de commentaires, donc il est en privé maintenant. On est vraiment désolé, mais juste que voilà, que ça devenait presque plus possible. Si on doit ajouter tout le monde, avoir 14 sur 14 remplis, et en plus de ça, on propose souvent de payer pour un allo. Pour rentrer sur le serveur, sauf que non, moi je ne veux pas. Payer une place, c'est inutile. Ou de me proposer un nouveau serveur avec slot, de plus grand slot, je dis non plus. C'est 14 slots, c'est pas pour rien. C'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'on refuse maintenant. Enfin, je refuse l'ajout de whitelist sur le serveur. Ensuite, on va faire une hache, parce qu'on va enlever tout ça. Ensuite, je fais aussi cette vidéo pour faire une petite FAQ. Petite FAQ, des questions qu'on peut me poser en live. Comme par exemple, quelle question qu'on peut me poser en live? Je m'en rappelle plus, je l'avais. Mais ça va me revenir au cours de la vidéo. D'abord, c'est peut-être parce que je dois me faire une hache. Bon, j'ai plus de fer si j'en ai. Juste à refaire cuire du fer, parce que j'étais un peu à court, j'ai fait des toiles partout. Vous verrez ça tout à l'heure. Alors, la question, comme d'habitude, la plus posée, c'est est-ce qu'on peut rejoindre le serveur? Donc, déjà, ça, j'ai répondu, c'est non. Avec quelle config je joue, je vais mettre ma config aussi dans la description. Je vais la remarquer parce que dans la vidéo Feed the Beast épisode 1, je l'avais mise. Est-ce que je joue aussi avec un double écran? Non. Pas de double écran pour ma part. Parce que j'utilise ma télé pour un écran plat. Comme écran, donc il a c'est assez grand, ça, 1000, ça fait 1080 au moins en largeur.
Donc c'est là largement suffisant pour placer déjà, quand je stream, de placer le chat sur le côté, etc. Et ça fait comme si j'avais un deuxième écran quand je tourne la tête, ça fait bizarre. Bref, ensuite, c'est une question qui m'est apparue hier en live, enfin vers fin de live. Est-ce qu'on peut me faire des dons quand je stream? Donc ça m'embête légèrement cette question, parce que en fait, parce que la plupart des gens qui sont abonnés, c'est un peu de la communauté de LV. Et j'ai pas envie de profiter de tout ça. Mais même si ça me dérange pas trop, mais j'ai pas envie de profiter d'eux pour ça. Et profiter d'Elvie, qui me fait un peu de pub pour gagner de l'argent sur son dos, non. Franchement, je pense pas. À moins que, si vous voulez, vous me postez un commentaire comme quoi vous voulez. Si vous êtes pour ou contre un petit système de dons PayPal, par exemple. Et de là, je vais voir si je le mets en place sur mon système, enfin sur mon live. Comme ça, si vous voulez faire des dons, ça peut être pas très raisonnable. Don de minimum 1 euro ou 2 euros, je sais pas, un truc comme ça. Ensuite, alors attendez, hop, voilà. Bon, la maison est de nouveau clean. Bah, c'est mieux ça. Déjà, je remercie tout le monde pour mes 300 abonnés, ça fait plaisir. Ça fait un max de plaisir. Bon, là, j'avais mis encore une tourelle. Hop, aïe, fait mal. Quand on regarde mon toit, on a des lasers de partout. Et ouais, j'ai mes propres snipers comme la Maison Blanche, quoi. Je suis complètement quadrillé de lasers. S'il y en a un qui passe, il se fait bombarder. Bon, ils font pas trop de dégâts, les toiles. Mais bon, ça fait quand même. Pour éviter de s'approcher. C'est quand même assez classe. Alors, attendez. J'aimerais en poser une là. Non, pas ici. Hop, hop, hop. Pourquoi ça? On peut pas la régler là. Angle de tir, on peut pas régler correctement. Ah tiens. Oups. Ça, je la bute. Il faudrait de la place sur la table de craft. Ah, ici. Ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est une petite vidéo comme ça que je fais. Pour mettre les choses en clair, donc le serveur, on n'accepte plus personne, on est désolé. Pas parce qu'il y a Elvie, mais bon, enfin, si, c'est un peu ça, mais en fait, Elvie veut de la tranquillité. Donc, si je dois accepter plus de personnes, il y aura plus cette tranquillité. Déjà sur le TS, ça devient un peu le bordel, mais bon, c'est pas grave, il y a de la bonne entente, bonne humeur, tout ça. Mais c'est juste que, voilà, j'ai fait un serveur qui est à slot, c'est pas pour augmenter plus. Pour voilà, avoir un minimum de tranquillité aussi, parce que moi je vais être aussi un peu tranquille avec. Comme j'avais un serveur à plus de 40 slots avant Vania, j'avais envie de changer, d'être un peu plus tranquille. Donc voilà. Sinon, à quelle heure je stream aussi? On m'a posé cette question, parce que les gens ils viennent en plein live. Je stream à partir de 22h pendant le mois d'août. De toute façon, il y a mon Twitter si vous êtes tenu au courant de quand est-ce que je vais streamer. Il y a mon Twitter qui est plus facile à dire. J'ai quoi d'autre? Wait. On va voir ça. Si on entend les tourelles s'activer, c'est pas pour rien. C'est bon, il est parti. Donc voilà. Donc non, c'était juste pour un peu regarder. Voir ce que ça fait. Même si il doit en manquer une tourelle. Voir ça. Parce qu'il a fait le tour et il s'est pas fait capter.
Would you come over Hop. Touc. Elle est un peu haute, mais normalement elle doit capter quand même légèrement. Donc voilà, donc on est vraiment désolé. Spawner. Je vais aller voir le spawner parce que si ça lag, y a rien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, limite FAQ, guerre des pranks qui a commencé. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous à ma chaîne si elle vous plaît. Wait what? Bienvenue. Si les vidéos vous plaisent, bon là c'est une vidéo un peu le matin que je viens un peu de me lever, parce que pour mettre les choses au clair niveau questions, si vous avez d'autres questions, bah postez-les en commentaire, pourquoi pas une nouvelle vidéo un peu plus FAQ. Ensuite, répondez aussi. Ça, donc aussi là, je demande votre avis sur ma chaîne Twitch, un petit bouton PayPal pour faire des petits dons. Si c'est pour ou contre, moi je suis enfin neutre, on va dire. Si vous voulez me faire des dons, bah, pourquoi pas, je vais voir. Donc voilà, déjà ça pourrait m'aider déjà niveau matériel. Pourquoi pas après faire un serveur à côté de celui-ci, ou quand celui-ci sera fermé, mais dans longtemps, pourquoi pas faire un serveur Feed the Beast pour un peu la communauté. Pourquoi pas. Mais ça c'est encore des projets, faut voir. Il faut voir tout ça. Donc voilà, je vous remercie, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt, et désolé pour les tourelles, elles sont saoulantes. Ciao, ciao.